Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, petite vidéo sur le mash d'un whisky. Moi et Kev, on a décidé de vouloir faire un mash de whisky et ça nous tente de vous l'expliquer de A à Z comment faire un mash de whisky. Je sais que la distillation est illégale au Canada. C'est pour ça qu'on va faire le mash pour expliquer un petit peu plus en détail comment le faire. Et je vous incite vraiment pas à distiller à la maison, mais ça peut être intéressant à connaître le monde qui font de la bière des fois, c'est quoi la différence entre un whisky et une bière. Alors, on part ça! Salut tout le monde, ici Kev Affu. On va faire un mash de E à Z. C'est de ma faute, on a skippé des étapes pour vidéo, parce que ça a l'air que j'étais impatient, puis avec Fitz... On avait des idées, puis je voulais savoir son timing, puis en fin de compte, on s'est pas parlé. Il est parti voir un client, puis moi j'ai commencé le processus sans lui. Et que désolé, il vous manque une petite partie. Et que bienvenue dans notre petit univers de le mash de whisky. Alors, vu que Kev a décidé de commencer sans vous, hein, il vous trouve tellement important qu'il a pas pris la peine de vous attendre et qu'on filme comme qu'on a l'habitude de faire pour faire des tutoriels. Mais aujourd'hui, ça va être un vlog. Ça va être un vlog sur le whisky. Alors, si tu veux le suivre, va sur le channel de Fitz, parce que les vlogs, c'est là-dessus que ça se passe. À tout de suite!